Shalom, mon frère, ma soeur, ce matin, que la paix, l'amour du Seigneur soit sur ta vie. Ce samedi 31 octobre 2020, j'aimerais te dire que ton Dieu est un Dieu puissant, le Dieu de délivrance. Lui seul est un appui sûr. Le vrai appui est le Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, le seul message que je veux te donner à toi, mais également à moi, c'est que le Seigneur nous a sauvés et nous ne sommes plus esclaves de la peur, car nous avons l'assurance que notre Dieu est le Dieu de délivrance, le seul appui sûr que nous pouvons avoir. Alors ce matin, que tes regards soient tournés vers lui. David le dira dans le psaume 18, après que Dieu l'ait délivré de la main de Saül qui cherchait à le tuer, il va s'écrier, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Alléluia. Oui, David a compris que personne d'autre, aucun homme ne peut le sauver, ne peut le délivrer de la tempête qui s'est abattue sur sa vie, des vents qui se sont levés contre lui. Dieu est son abri. Dieu est sa haute retraite. L'Éternel est sa force. La force qui le sauve, sa forteresse, son libérateur. Et j'aimerais ce matin que tu puisses déclarer la même chose. Oui, en élevant les mains saintes vers le Seigneur et en proclamant ce qu'il est pour toi, ta haute retraite, ton abri. Dans ces moments difficiles où les gens peuvent se demander où trouverai-je le salut, toi tu dois garder ton calme. Tu n'es plus esclave de la peur, comme ce cantique qui est en train de passer en fond. Oui, tu es un enfant de Dieu. Dieu a fait des promesses sur toi. Au moment où Saül cherchait à tuer David, Dieu avait déjà choisi David pour être le roi d'Israël. Le plan de Dieu était en cours. Donc il était impossible que Dieu lâche David et que David soit tué. C'était impossible. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu a fait un plan sur ta vie. Dieu a fait un projet sur ta vie. Tu n'as pas encore réalisé ce projet, alors sois dans la paix. Le Seigneur sera avec toi et te fera passer ces moments de tempête. Oui, ta joie et ta force vont être relevées. Certainement. Oui. Alléluia. Notre peur doit se noyer dans l'amour du Seigneur, l'amour qu'il a pour nous, la pensée qu'il a pour nous, le projet qu'il a pour notre vie. Nous sommes des enfants de Dieu. N'allons pas marcher ou penser comme les gens du monde. Nous prions pour qu'eux aussi puissent rentrer dans l'alliance, dans le sang de Jésus. Mais toi, réfugie-toi dans le Seigneur. Lui seul est l'appui sûr. Oui, je suis un enfant de Dieu. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, qui te fortifie ce matin. Et il faut déclarer ce que David l'a fait. Oui, ô mon Dieu, tu es mon libérateur, ma force, mon appui, mon abri. Oui, alléluia. Oui, déclare-le, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, certainement. Tu n'es plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant
Je te souhaite un excellent week-end. Ne sois plus esclave de la peur. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Alors, garde courage, tiens ferme. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.